Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment remettre le menu démarrer à gauche et on va en profiter pour personnaliser la barre de tâches. C'est parti! Windows 11 a un peu copié Mac avec sa barre des tâches au milieu. Il y a plein de gens qui veulent savoir comment la remettre à gauche. Vous allez voir, c'est super simple. En 2-3 clics, on y arrive. Et du coup, on va en profiter pour voir 2-3 personnalisations de la barre des tâches. Alors, pour remettre et personnaliser notre barre des tâches, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur la barre des tâches. Ensuite, un clic gauche, paramètres de la barre des tâches. Et on descend. Ici, on a comportement dans la barre des tâches. Et ici, on peut aligner la barre des tâches soit en centré, soit à gauche. Donc ça, c'est pour la remettre à gauche, vous avez vu, c'est simple. Après, si vous voulez la masquer automatiquement, on coche ici. Ensuite, si ici, on a une option dépassement de capacité de l'angle de la barre des tâches, c'est tout simplement en bas à droite, les fichiers que vous avez. Par exemple, là, si je veux afficher Teams, je l'active ou je le désactive. Mais sinon, on peut faire comme avant, c'est-à-dire aller la chercher à la main et la mettre ici dans la barre des tâches. C'est exactement pareil. Et enfin, pour finir, ici on a des nouveaux boutons, donc on peut les désactiver si on n'en a pas besoin, les widgets et les conversations. Donc vous choisissez, vous affichez et vous enlevez à votre choix en passant tout simplement par ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt !